Ouais. On dirait vraiment le début d'un Marvel, un Star Wars. Ah voilà, dès qu'il y a un trou. La vie un trou là. Ah, cette fois c'est la bonne. En vrai, là j'ai envie de dire que cette vidéo elle était vraiment bien. Je pense que l'histoire était assez compréhensive. Bon, il se passe quoi? Alors j'ai pas très bien. Commence! Alors, continuons de regarder cette histoire complètement compréhensive. Donc Ned retrouve un grimoire dans sa bibliothèque. Il le regarde, il a. En fait, Ned, c'est pas un occultiste. Il a une fâcheuse tendance à du coup invoquer des démons. Ah, j'ai pas utilisé d'effet. Oula, je m'étais calmé un peu. J'avais divorcé avec des effets spéciaux. Ah, 40 minutes. Oh, 10 minutes. Oh, elle était longue cette vidéo-là. Crois que je vais refaire un autre cut à la fin de cette vidéo. Salutations humains. Et il parle trop vite. Ouais. Waouh, la bonne idée. Nedre, c'est tellement un gars intelligent. Ah, forcément, quand ça s'appelle. Ok, j'ai juste mis un bra. Comme ça s'appelle les origines, j'utilise. Enfin, je prenais un peu la perspective de chaque personnage. Waouh, humour gacha, tellement drôle. C'était tellement pas drôle. Oh non. Encore un moment gênant. Qui devrait être oublié par toute la série. Le culte des pédobères. Pédobères. Sauf que Louis va être traumatisé quand ils vont vraiment faire des trucs de pédobères. Waouh, il est dégoûté. Waouh, il tue. Waouh, il est en prison. Il rencontre son pote entrepreneur. Là. Star blanc là. Voilà, Vanessa, j'ai enfin mis son. Ouais, prénom qui était. Oh non, c'est tellement. Oh, peu d'effort. Le petit S, le petit accent que j'ai rajouté. Mais en fait, fun fact, ces origines-là, c'était juste pour faire une vidéo de musique après. Bah, de toute façon, on va voir. Dans peut-être le cinquième épisode de Je réagis à. Pourquoi tu me regardes comme ça? Voilà, de Je réagis à mon ancienne série Gacha. Oh non, on va être un
première introduction à Vanny, pas Vanessa. Oh non, ça sera gênant aussi. Et les enfants venus. Enfer! Waouh! Waouh, terrifiant! Oh non, des ailes lui poussent! Ça fait peur! Waouh! Appelez les keufs! Bon, moi j'avoue que si tu fais un truc comme ça, t'es terrifié, mais. Oh, c'était tellement mal introduit. Je vais m'occuper de ça, rentre chez toi. Tellement une insulte. Vas-y, rentre chez toi là. Victime. Ah, donc il va juste retirer Vanny de la carte mémoire. Un peu. Central VR. Ouais, t'as Louis qui se cachait derrière le bureau. Il va aller chercher. Il va retrouver le grimoire que Ned venait de vérifier un peu pour les prochaines étapes. Donc il trouve que il peut toujours le sauver dans ce grimoire. Donc il va chez Ned. Et là, j'ai foiré avec la traduction en anglais. Donc là, Nightmare il est pas très content parce que Louis a le grimoire. Donc là, on peut voir une connexion profonde entre Ned et Nightmare. Donc là, il y a une scène d'occultisme. Ned il est libéré de Nightmare. Donc Nightmare il se fait capturer là dans un espèce de seau magique. Son âme se fait briser en plusieurs morceaux. 4 plus précisément. Nightmare lui-même ça devient juste une petite peluche de merde. Que tu peux rentrer dans l'anus si tu veux. Donc le premier morceau il va dans l'Ullbite. Du coup c'est ça qui active. Donc Nightmare n'arrive pas à la posséder. Et plus tard, donc, elle va se cacher dans Circus Baby et elle va arriver dans la pizzeria là, comme on a vu à l'épisode 2, je crois. D'ailleurs, ouais, j'avais redesigné l'Albite, enfin. Je lui ai donné un meilleur design cette fois. Le deuxième morceau d'âme va dans l'ordinateur et ça va créer Glitch Trap. Bon, parce que de base, t'avais. Bah. Je m'en souviens, et cette scène, oh, ça m'a fait tellement plaisir tous les effets que j'ai mis. Mais de base, t'avais Glitch Trap et Vanny, du coup, qui se sont tous les deux fait corrompre. Vanny, c'était par l'influence de Nightmare, sa présence, quoi. Et Glitch Trap, bah, il a été invoqué par un morceau d'âme de Nightmare. Et donc, ça laisse deux morceaux d'âme qui n'ont jamais. Bah, j'avais jamais expliqué en fait. Enfin, qu'est-ce que je raconte? J'allais dans le futur expliquer genre où sont les deux autres morceaux d'âme et tout ça. Mais là, bah. Voilà, pour l'instant, on n'aura jamais eu l'explication pour ça. Donc là, Ian, il voit qu'il y a un gros problème dans la simulation. En fait, Glitch Trap essaie de l'envahir son esprit. Donc, ça fait un truc avec ses yeux. Voilà, il change la couleur de ses yeux. Mais ça n'a pas plus d'effet que ça. Et voilà, et Louis s'est fait avoir. Vous savez pourquoi Louis s'est fait avoir? Parce que c'est un simp! Voilà, jour moderne. Les trappes. Et rencontre Vanille de nouveau. Jumpscare. Do 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 do